T'as les crampons, ça. Plante bien ton ski. Appuie-toi sur ton ski. C'est bon Joël, tu peux repartir. Toi tu plantes bien le ski et tu t'appuies dessus. Ou sur le côté là, c'est plus mou. Voilà. Il y a des marches là, après. Appuie-toi bien sur la main courante.
êtes encordés, non? Même pas? Non, non, justement, les skis, ça... Il plante les skis et ça le tient. Tu peux mettre le coude, hein, sous la... Ça y est, on a fait le plus dur, là. En passant par là, c'est moins vertigineux que de l'autre côté. Ouais, c'est un peu plus raide. Ouais. Mais c'est pas. C'est en bonne condition, ça va. Il y a des fois là, tu mets le bout là, tu mets 1h30 pour quand il y a trop de monde. Là. 1h30 pour faire le bout là. Mais là c'est bon là, il n'y a personne. Hein? Il y en a qui est cordé, qui se double, qui passe devant l'une de l'autre. Et... Mets-toi sur le côté, ce sera mieux. Ouais. Attends Joël, attends un peu. Mets-toi sur le côté et descends sur le côté, marche par marche sur le côté. Plante bien les skis et tu t'appuies dessus. Voilà, sur le côté. En bonne condition après pour le ski. Passe le coude là, sous le coude comme ça, le bras, sous la main courante du bas. Voilà, comme ça, et tu te tiens avec le coude. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est... Allez, prends la main courante là. Prends la main courante en dessous le poteau. Vas-y, hop, c'est bon.
Vas-y, lève le pied droit et marche sur la corde là. Lève le pied droit. Ah, c'est bon. Après ça va aller mieux. Hop. Plante le ski et tu t'appuies dessus. Tu plantes le ski et tu t'appuies dessus. Du requin. Requin là. Et un peu plus loin, il y a le montant vert avec la gare d'arrivée du train. Mais aujourd'hui, on prendra pas le train. On ira à pied jusqu'en bas. Tu vas porter les skis ? Hein ? Tu vas porter les skis ? Non, non, tu penses pas. Il y a... Après, tu tombes sur la piste de ski des pèlerins là. Là ? Devant nous. Ça c'est le chemin qui va au refuge du requin et nous on descend. Bon, on mangera au col du Montant Vert. Hein. On mangera pas. Parce que habituellement on mange en face le requin. Là. Mais vu l'heure qu'il est. Il est 11h. 11h là. On va manger une fois qu'on a remonté le petit raidillon. Alors un jour on mangeait là, dessous là. Et il y avait un avion, il atterrissait là dans le creux là. Donc il atterrissait comme ça, il faisait demi-tour et puis hop, il repartait là. C'est reparti. Allez. Hop.
pas beau. On va faire un petit tour en face là, comme ça, là, et puis on descend où sont les gens. Ça va. Ou sinon, ceux qui veulent pas, ils descendent là. On se rejoint.
là il y a le capucin là. Une petite. Une des. Le capucin là où Rebuffat il est filmé en haut du caillou, sur le caillou qui fait 20 cm par 20 cm. C'est une des pointes là. Une des pointes. Si, mais je sais pas, c'est il y a le grand capucin là où Rebuffat il est en photo sur son caillou là, sur tous les bouquins de montagne là, tu vois. Donc ça c'est le grand rognon, l'aiguille du géant là devant. Au Mont Blanc c'est c'est de l'autre côté. Quand tu fais les trois Mont Blanc, tu fais le Mont Blanc du Tacu, Mont Maudit, Mont Blanc. Tu montes là, on voit la pente là, qu'on voyait au départ du télé, de l'aiguille du Midi là. C'est là. Vous pouvez remarquer que l'aiguille elle est petite maintenant. Hein, hein. Il y a les pointages là, non ? Ouais, mais il faudrait que je sorte la carte là. J'ai la carte là, il faudrait les sortir. Rocco Siffredi. Ça c'est le Mont Blanc du Tacu. Mont Blanc du Tacu là. Non. C'est ça là. C'est ça là, une des deux, c'est ça là et là. Ça. C'est celle du fond là. C'est ça. C'est ça. Doré, et mes aiguilles dorées. Thank you.
Bon, vous êtes heureux? Oui, ouais. Paysage pas terrible. Paysage pas terrible. Alors, c'est pour ça, mardi, j'étais un peu déçu. J'ai dit. Tu vas faire un effort pour mardi. Moi, j'étais abonné, je peux tout faire. Mais il a été très bien. Pour moi, la randonnée reportée, c'était très bien. Des photos, j'en ai alors, des vidéos maintenant. Olé ! Ouvert là, il n'y a rien ouvert là. Et en bas ça va être pareil, d'habitude au-dessus du refuge du requin il y a toute la partie crevasse. Ouais. Ça y est, les affaires reprennent. C'est comme moi, ça fait déjà deux fois qu'ils sonnent le téléphone. Il m'a demandé si ils sont trouvés. Je sais que ce sont des affaires. C'est les affaires qui reprennent. Il y a des mecs là qui restent. Ouais, ils y sont depuis le mois d'août. Ça s'est ouvert en juillet, août. L'été, là, c'est ouvert l'été. Là, ça a traversé. C'est reparti? Allez, c'est reparti. C'est reparti.
Donc la prochaine fois, vous pourrez emmener votre fille. Là. Et tu, et tu pourrais skier, ski serré, hein. T'es filmé là. Si on est. Non, je suis pas venu. Non, il y a... Ouais, je l'avais annulé deux fois. Ouais. Je l'ai annulé et le petit Saint-Bernard était fermé. Donc, et puis pareil, il faisait pas un temps terrible. Bon, là, on va attaquer la zone des crevasses, mais il n'y en a pas. Mais vu comme on est parti, on va manger au col du Montanvert. On va tracer. On va manger au col du Montanvert.
c'est là qu'il y a les crevasses. Habituellement, elles sont là, les crevasses. Pas de crevasses. Et là, il y a l'arrivée de la petite vallée blanche, là. Ils arrivent par là. Ouais. Et là, et l'aiguille de l'Aisne, là, vous voyez, là, ça fait un M, là, derrière moi. Les petits charmeaux, les grands charmeaux, c'est l'aiguille de l'Aisne, là. Là, ça fait un M, là. Hein? L'aiguille de l'Aisne, M. Petit charmeaux, grand charmeaux. Et c'est les aiguilles, l'envers des aiguilles de Chamonix. Donc il y a le grépon, le charmeau de grépon, le petit charmeau, l'aiguille de l'Aisne. Donc on vient de passer les crevasses, là, où il y a les crevasses habituellement. On a tout passé. En face, mais on est trop bas. Cascade.
vous avez le refuge du requin qui est au-dessus là. Et la salle à manger, c'est ça. On voit la barricade du balcon. La salle à manger, c'est là sur le replat, mais on va tirer tout droit. On va profiter que la neige est bonne là. Pas trop transformée pour remonter le petit passage. Là, un truc qui brille là. Et là-bas, ça doit être le refuge d'hiver. Ça y est, tout le monde sont là. Ça, il y a une bosse derrière. Un toulou. Une clé à glace, tu veux montrer. Une broche. Bon, vous voyez tout ce qu'on a descendu là, hein. C'est pas une verte aujourd'hui quand même. Si, il y a des pires conditions que ça. Il y a pires conditions que ça. Oui, c'est vrai, mais vu la neige. Parce que des fois, tu tombes dans. Moi, la première fois que j'ai fait, c'était dur dessous, il y avait 20 cm de poudreuse. Ça, c'est pas mal. Là-bas, vous avez la mer de glace là. La mer de glace. Par contre, faut prendre de l'élan hein, si vous voulez aller jusqu'au bout. Ouais, jusqu'à là. Hein. Ouais. Non, on skie jusqu'au fond, jusqu'au bout. Mais faut prendre de l'élan. Donc, sur le plat dessous, faut prendre de l'élan. Hein, si vous voulez pas trop pousser sur les bâtons. Je suis venu, t'es arrivé presque au montant vert à niveau.
150 mètres. Depuis 50 ans. 50 ans. Ouais, parce que ça baisse petit à petit. Bon, bah allez, c'est reparti. Des virages.
Bon, ben là c'est tout droit, hein. Tout droit, tout plat. Il faut prendre le plus de vitesse possible. Tu passes à gauche. Non, pas, non, on prend tout droit là. Bon, ben allez, c'est parti. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en prêt. Allez, ben allez. Hop là. Sont du facile. Du sac. C'est pour ça que je fais pas de ski de rando. Bon allez, c'est parti, c'est reparti.
ça commence déjà à se transformer là. Cailloux qui ressortent là. Thank you.
ça approche la fin, hein. Ça approche la fin, là. Bref, il faut aller sur les bords. Ça bouge bien quand même la neige. 5m30 en haut à la nuit du midi. Là, c'est en bonne condition cette année, hein. Mais avec toute la pluie qu'il y a eu, toute la neige, là, plus les quantités qu'il est tombé. Ben, on va être obligé de prendre les marches, hein. Parce que le glacier il est encore tellement baissé que... Hein, ben, on prend les marches, puis après on prend le chemin... Ouais, on va le retrouver plus haut.